Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Atelier FJJ. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, les vacances sont derrière nous, la rentrée scolaire et on va commencer nos nouveaux modèles de crochet. La saison d'automne commence bientôt, l'hiver s'ensuit. Il faut avoir plein de nouveaux modèles pour faire nos accessoires et surtout nos cadeaux pour la fin d'année. Alors, pour les celles qui me suivent sur le groupe Facebook, je vous ai annoncé que je vous prépare des nouveaux modèles très bientôt qui seront disponibles sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vous voyez, on a des bonnets, mais on ne va pas apprendre à faire un bonnet, on va parler bonnet. Alors, ce que j'ai fait, durant ces 3 années que j'ai présenté des différents tutoriels et différents modèles, il y a eu plein de questions qui se répétaient à chaque fois sur les vidéos ou les tutoriels de bonnet. Alors, je me suis dit que de temps en temps, je vais faire des vidéos qui seront plus académiques pour faciliter la compréhension des modèles aux débutantes ou celles qui veulent créer leur propre modèle. Donc, les règles de base à avoir pour commencer des nouveaux modèles de bonnet. Alors, aujourd'hui, on va parler des bases à connaître avant de commencer à travailler un bonnet. Surtout si vous voulez créer votre propre modèle en choisissant un joli point et que vous ne trouvez pas un tutoriel. Donc, vous vous dites, je vais commencer à faire le mien. Avant de commencer, il y a certaines choses à savoir et c'est ce qu'on va discuter dans cette petite vidéo sur la création et la réalisation des bonnets en crochet. Alors, les gens qui me suivent sur la chaîne depuis quelques temps savent combien j'adore faire des bonnets. Peut-être parce que je vis au Canada et puis pendant la saison d'hiver, qui est une saison assez longue, le bonnet devient un accessoire très très important pour moi. Alors, j'aime en avoir dans toutes les couleurs, dans différents modèles pour pouvoir changer à chaque fois. Et si vous avez des enfants comme moi, il faut en avoir plusieurs en stock parce que les enfants, ils perdent leur bonnet à chaque fois. Et il faut toujours en avoir en réserve pour qu'ils puissent continuer à jouer et à pratiquer leurs activités dehors. Alors, cette année aussi, je vais vous proposer d'autres modèles de bonnets sur la chaîne. Mais avant de commencer à crocheter des bonnets, surtout si vous êtes débutante, il y a certains outils que vous devez avoir pour pouvoir adapter très facilement les modèles que vous allez voir à la taille que vous avez choisi, ou tout simplement si vous avez un joli point que vous voulez utiliser pour faire un bonnet. Donc, avoir un outil pour pouvoir facilement le transformer en bonnet. Alors, le premier outil, et c'est un must pour moi, c'est un tableau de mesure pour les différentes tailles. Donc, c'est un tableau qui permet d'avoir différents indices, puis les mesures en centimètres pour chaque taille. Comme ça, on peut facilement ajuster les modèles qu'on voit sur YouTube. Alors, allez sur Internet, sur Google, écrivez bonnet, mesure, tricot, crochet ou tableau de mesure de bonnet en tricot et vous allez avoir plein, plein, plein de liens vers des blogs, vers des tableaux sur Pinterest qui vont vous donner les différentes mesures. Ce tableau, je l'ai pris sur un blog. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description en bas de la vidéo si jamais vous voulez le voir. En général, c'est les mêmes tailles. Donc, quel que soit le tableau que vous allez choisir, vous allez retrouver les mêmes indices, les mêmes mesures. Les mêmes chiffres. Alors, pour commencer, choisissez vos tableaux et puis gardez-le parce que vous allez y revenir souvent lorsque vous allez vouloir adapter vos modèles aux différentes tailles que vous allez choisir. Alors, maintenant que vous avez votre tableau, vous devez voir le type de bonnet que vous allez faire. Donc, il y a des bonnets qui commencent par le haut, du haut vers le bas. Il y en a d'autres qui commencent du bas vers le haut. Alors, l'approche est différente d'un modèle à l'autre. Lorsque vous allez travailler un bonnet qui commence du haut vers le bas, alors votre bonnet va être constitué de deux parties principales. Cette partie du haut qui va être travaillée sous forme de cercle et qui doit correspondre à la taille que vous avez choisie. C'est ce que vous retrouvez dans la catégorie diamètre du cercle. Alors, par exemple, si je choisis de travailler de 2 à 5 ans, je vais commencer du haut, donc je vais faire le premier tour, puis je vais commencer à faire des augmentations. Donc j'augmente le nombre de mes mailles selon le modèle jusqu'à ce que le tour, le cercle que je suis en train de travailler soit égal au nombre de centimètres proposé pour la taille. Donc son diamètre doit être égal, par exemple ici de 2 à 5 ans, donc le diamètre du cercle doit mesurer 16 cm. Une fois que je termine cette partie,
je vais commencer à travailler la partie droite du bonnet. Donc, je vais commencer à descendre pour former la hauteur totale de mon bonnet. Et cette partie, c'est la plus facile puisqu'il n'y a pas d'augmentation à faire. Donc, on ne cherche pas à calculer, mais on va juste répéter le point qu'on a choisi pour notre bonnet jusqu'à atteindre la hauteur voulue du bonnet. Alors, je reviens à mon tableau. Ici, de 2 à 5, je vais vers hauteur du bonnet, 19 cm. Donc, lorsque je vais travailler la partie droite, je vais mesurer du plus haut point ici jusqu'à la dernière rangée ici. Je dois retrouver 19 cm de hauteur. Alors, ça va correspondre à la taille que je veux. Et ainsi de suite. Donc, pour chaque taille, vous allez prendre les deux indices et les adapter selon votre modèle et selon la taille que vous travaillez. Alors, bien sûr, ce modèle est quand même facile à faire. Toutefois, c'est les augmentations qui sont la partie la plus importante du travail. Donc, vous devez maîtriser vos augmentations pour avoir le bon diamètre avant de commencer. Sinon, vous allez risquer, bien sûr, d'avoir un bonnet plus grand ou plus petit que la tête ou que la taille que vous voulez travailler. Donc, vous allez faire très attention à vos augmentations lorsque vous faites vos tours, comptez toujours vos mailles avant de commencer la partie droite, donc qui est la plus facile. Alors, ça, c'était pour la première ou la première manière pour réaliser un bonnet. Si vous voulez réaliser un bonnet à partir du bas vers le haut, et c'est la manière que j'utilise le plus souvent personnellement pour réaliser des bonnets, je trouve que ça donne des bonnets très élégants. Ça permet d'avoir des points qui ressemblent un petit peu au tricot aussi et ça s'adapte très très facilement aux différents points. Premièrement, on n'a pas d'augmentation à faire, donc on ne va pas calculer nos mailles ou avoir peur de se tromper sur une augmentation. On va commencer du bas ou bien on fait une chaînette qui va faire le tour de bonnet. Et ici, on va retrouver les mesures de tour de bonnet sur notre tableau. Donc pour ce modèle, on va travailler avec le tour de bonnet et la hauteur au lieu de travailler avec le diamètre comme pour le premier modèle. Alors pour le tour de bonnet, on travaille avec le tour de tête selon la taille. Alors par exemple, je vais retourner au même exemple de tout à l'heure, les 2 à 5 ans. Si je regarde le tour de bonnet, je suis à 43,5 jusqu'à 46. Donc si je travaille pour 2 ans, bien sûr, je vais prendre les 43,5 et pour le 5 ans, c'est 46. Alors ou bien on va faire une chaînette qui mesure 43,5 ou 46, puis joindre les deux bouts pour faire un cercle et commencer à travailler en hauteur selon le modèle, ou faire une bande comme ce que je fais d'habitude sur mes modèles pour celles qui me suivent sur la chaîne. Je travaille généralement une rangée en maille serrée ou en demi-bride, puis je les répète jusqu'à ce que ma bande soit égale au nombre de centimètres. Là, je fais une couture pour joindre et donc former un cercle et commencer à travailler en hauteur. Je vais vous mettre en lien quelques-uns de mes modèles ou mes tutoriels pour voir plus concrètement ce que ça donne pour celles qui découvrent la chaîne. Alors, une fois que je fais ma bande, je commence à travailler mon point en hauteur. Et là, surtout si vous êtes débutant, ça va être très facile parce que vous allez juste continuer à faire vos rangées jusqu'à ce que la hauteur totale de votre bonnet soit égale au nombre de centimètres que vous recherchez. Donc ici, 19 cm pour le 2 à 15, à 5 ans. Alors vous allez mesurer d'ici jusqu'à la dernière rangée en hauteur. Donc lorsque vous arrivez au nombre de centimètres voulu, vous allez coudre le haut de votre bonnet, donc le fermer. Et le coudre ou ajouter le pompon, ce que vous voulez pour que ça donne une jolie forme vers la fin. Alors si vous êtes plus avancé dans le crochet, vous êtes plus à l'aise avec les diminutions, vous pouvez aussi choisir de faire des diminutions avant d'arriver à la fin, comme ça pour donner une belle forme à votre bonnet. Donc vous arrêtez avant de quelques centimètres, puis vous faites vos diminutions pour arriver à la hauteur totale. Généralement, je propose de s'arrêter 3-2 cm et demi avant d'arriver à la hauteur totale. Ça dépend beaucoup du point. Mais par exemple, si la hauteur totale est de 20 cm pour mon bonnet, je vais m'arrêter à 17 ou 17 et demi pour commencer mes diminutions, les rangées suivantes, jusqu'à ce que la hauteur totale donc soit égale à 20 cm. Et le fait de faire des diminutions, ça facilite beaucoup la couture vers la fin. Donc on peut coudre plus facilement notre bonnet. Ça fait aussi plus joli vers la fin, mais ça dépend beaucoup aussi du point et du modèle qu'on vous propose. Alors,
C'est le point essentiel que je voulais vous présenter dans ce petit podcast ou cette petite discussion. Je vais essayer d'en faire plus souvent sur la chaîne pour répondre à toutes les questions qui arrivent, que ce soit en commentaire ou sur le groupe Facebook. Et puis présenter aussi quelques petits conseils aux débutantes, les choses que j'utilise personnellement pour me faciliter la vie pour le crochet. Alors j'espère que ça vous plaise et puis n'hésitez pas à venir nous voir sur le groupe Facebook. Vous pouvez partager là-bas toutes vos questions, vos suggestions, vos réalisations. Vous pouvez voir aussi toutes les réalisations des autres membres si vous avez besoin d'inspiration. Venez nous voir sur la page Instagram aussi. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés Atelier EJJ sur YouTube. Faites un petit tour sur les anciennes vidéos, vous allez sûrement trouver un modèle qui va vous inspirer. Moi, j'attends vos commentaires impatiemment et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un beau tutoriel, pour un joli bonnet en crochet pour commencer cette belle saison. Alors, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon crochet.